Ok, c'est Sinox. Si. Donc, tranquille poteau. Frais. Donc on est avec Adams. Ouais. Donc Adams, pour les gens qui te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Moi c'est Adams. T'as vu, je viens du 7-7 aux Oies. As2As, c'est le collectif, t'as vu, voilà, c'est ça. Quoi. Donc toi, t'es issu du collectif As2As? As2As, ouais. Donc est-ce que tu peux présenter brièvement aussi ce collectif? En fait, le collectif As2As, t'as vu, à la base, on était deux avec AMAR. Mais AMAR, t'as vu, il y a eu des soucis, il a dû quitter le territoire. J'ai repris ça avec un mec de chez moi qui s'appelle Mams. Et Mams, voilà, lui aussi, il est là. Mais il est en stand-by en ce moment, t'as vu, il est pas trop dans le son. Donc là, j'arrive vraiment tout seul, tu vois. Et donc, tu disais originaire du 77? Ouais. Il y a des rappeurs aussi dans 77, faut le rappeler. Il y en a plein. Mais bon, après, 77, on dirait qu'on est un peu négligé, tu vois. Peut-être c'est un manque de... Peut-être qu'on fait pas assez de... On fait pas le taf bien, ou soit c'est vraiment les autres qui nous boycottent par rapport à... Parce que c'est 77, ils boycottent, je sais pas. Et pourquoi, à ton avis? Parce qu'on sait qu'il y a eu pas mal de grands rappeurs. Il y a eu des grands rappeurs, t'as vu? Bah si, les grands rappeurs aussi, il faut dire qu'eux, ils ont pas vraiment tué le truc, tu vois. Ils ont commencé, mais ils ont pas fini le taf, tu vois ce que je veux dire? Et ça veut dire que nous, d'ailleurs, maintenant, pour revenir représenter le 7-7, ça veut dire qu'on doit refaire un boulot à zéro, tu vois. Mais t'inquiète pas, ça arrive lourd. Il y a des gros artistes qui arrivent par la grande porte, hein. C'est pas par la petite porte, hein. Par la grande porte, et après, Inch'Allah, on va tenir le truc, tu vois. Et t'as l'habitude de dire un truc important, c'est ouais. Que toi, tu te classes pas ni dans l'ancienne génération. Ouais. Dans la nouvelle. Voilà, je suis ni dans l'ancienne ni dans la nouvelle, frère, parce que je suis un mec de la génération 83, poto. Et voilà, tu regardes bien dans le game aujourd'hui, les gens de la génération 83, il n'y en a pas beaucoup, poto. C'est parce que, cousin, nous, c'est pas la génération bousillée, pas le rap, on avait des trucs à côté, tu vois. Et on était absent pendant un moment, et voilà, t'as vu, on n'est pas trop, on n'était pas trop rap. Mais toujours l'écriture, tout ça, mais on n'aime pas le bruit en fait, d'aller se montrer, être discret, tu vois. Et aujourd'hui, c'est l'heure de faire montrer les choses, tu vois. Parce qu'il y a des mecs qui viennent et rappent notre vécu, tu vois, les petits, ils rappent des choses. Tu sais que lui, il a 18 ans, 17 ans, il a rien fait de tout ça, frère, il a vu les gens faire. Et les anciens, toute sa vie, de 13 ans jusqu'à 40 ans, il est au studio, il a rien fait aussi, il fait ce qu'il raconte, ce que nous aussi, on a vécu, frère, tu vois. Donc maintenant, je me suis dit, pourquoi pas faire le boulot moi-même? C'est mieux, poteau. Et toi, si tu veux décrire un peu ton rap, ouais. Pour les gens qui n'ont pas encore écouté. Bah, mon rap, gros, t'as vu, en fait, c'est moi. Ça parle de moi, c'est moi et ce qu'il y a autour, tu vois. Ça veut dire que je ne veux pas mentir. Venir dire, ouais, j'ai braqué la banque. C'est pas vrai, poto. Je rappe ce que je vis, ce que je vois et c'est tout, poto. T'as vu, on va pas rajouter, faire du cinéma, tout ça, ça sert à rien. Frère. Et au niveau de tes influences musicales, c'est ouais. Plus rap français ou bien c'est plus... Ouais, je veux pas te mentir, on a... Ou est-ce que c'est que le rap aussi? C'est ça la question. Ouais, franchement, je me tue au rap, t'as vu, je me tue au rap. Il y a aussi la musique de chez moi, de mon bled, tu vois. Mais sinon, ouais, je me tue. Et toi, sans indiscrétion, t'es originaire de quel pays? Je suis de la Mauritanie, moi, frère. Je suis de la Mauritanie et voilà, on n'est pas beaucoup en France. Voilà, Nouakchott, poto, tu connais, on n'est pas beaucoup en France, mais t'inquiète pas, les peu qu'on est, voilà. Et c'est vrai que vous êtes solidaire. Solidaire, frère, et... Solidaire, pas trop, tu vois, mais bon, on est là, on n'est pas beaucoup, mais au moins on est là. T'as vu, par rapport à là, ils sont 40 000, mais ils sont pas, tu vois, ils sont pas tous là, ils sont pas soudés. Parce que la Mauritanie, ça se situe aussi entre le Maghreb ouais. Et l'Afrique noire. Et l'Afrique noire, gros, t'as dit, c'est-à-dire, on est entre les deux, poteau, et voilà, t'as vu, c'est pareil, hein, t'as vu, ça reste l'Afrique, hein. Nous, on fait pas la diff, Maghreb, Afrique noire, c'est pareil, frère, c'est l'Afrique, tu vois ce que je veux dire? C'est la même chose. Donc, t'écoutes aussi des sonorités un peu de là-bas, c'est ça que voilà, tu veux dire? Voilà, j'écoute un peu des sons de là-bas, mais plus du Mali et du Sénégal, gros. Parce qu'en Mauritanie, il n'y a pas trop de. Tu vois? Mais bon, c'est pareil, t'as vu? Parce qu'un Mauritanien qui va venir avec un son, lui, à la base, Mauritanien-là, il vient de soit du Mali ou soit du Sénégal, soit. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, on écoute beaucoup de musique africaine aussi, tu vois? On néglige pas, frère. Mais sinon, j'écoute du rap français, ouais. J'écoute du rap français, mais en ce moment, c'est pas trop ça. Je suis plutôt bloqué à l'ancienne, t'as vu les anciens, ils avaient sorti les albums lourds, tout ça, tu vois. Mais là, aujourd'hui, il y a trop de faux, et franchement, ça me fait mal à la tête, frère. Et toi, t'as commencé le rap quand exactement, en fait? J'ai commencé, frère, c'était. Ouais, 98, 99, 97, hein, je dirais plus ces trucs-là. T'as vu quand il y avait les freestyle génération, Time Bomb, tout ça, tu vois, c'est à cette époque-là on a commencé le rap. On donc un peu à l'âge d'or du rap français, quoi. Voilà, t'as tout dit, frère. T'as vu, c'est là où vraiment on s'est fait piquer. On s'est fait piquer par ça et on a commencé à écrire des petits 16. Il y avait le MDO, des anciens de chez moi, c'est eux, ils ont commencé à écrire mon premier 16. Pollux, il a commencé à écrire mon premier 16. J'ai kické ça avec un casque de Walkman, tu vois. Tu me prends sur la chaîne à l'ancienne, truc de Cassos. Et après, voilà, t'as vu, on a pris doucement. Et après, vraiment, j'ai commencé à écrire, on va dire, à faire les choses. Vraiment, je vais me mettre dans le rap pour de vrai. C'est en 2009, frère.
2009. 2009. Franchement, j'ai dit, je vais faire des trucs, des sons carrés, des trucs carrés, tout ça. Et voilà, j'ai sorti. J'allais en venir justement. Ah, ouais. T'as sorti ta mixtape? Ouais, j'ai sorti la mixtape Quartier sous les pieds en 2010. Voilà, on l'a sorti dans la street, on l'a. Tu vois, on l'a vendu comme ça dans la street, on a donné même guerre tellement, tu vois, voilà. Et pourquoi Quartier sous les pieds? Ce titre déjà est très intéressant quand même. Quartier sous les pieds, pourquoi? Parce qu'en fait, frère, t'as vu, on vit quartier, voilà, frère, on est bousillé par le quartier, on connaît que le quartier, et voilà, je ne sais pas pourquoi je vais prendre un autre thème. Alors que je suis dans le quartier, je raconte que ça, je fais que ça, frère. Tu vois ce que je veux dire? Je pars de rien, je rappe tard, je suis un galérien. À part la rue, moi je connais rien. Machallah, le flow que j'ai, je veux pas faire de flop, ni baisser mon froc. Je viens d'Afrique, le 7-7 c'est mon Glock. Représente tous les frères dans les blocs, tous sous-scellés, en maison d'arrêt, en CD. On court après l'argent, on n'est pas les gens. Désolé, monsieur l'agent, mais chaque fin de mois, loyer me coupe les jambes. Et surtout que les gens du 77 sont vraiment rattachés à leur département. Ouais, frère, on est. Parce que t'as vu. Je vais pas te mentir, dans 77, il y en a beaucoup négligents, hein, t'as vu. Il y a des mecs qui viennent de je sais pas d'où, ils ont vu que là, il y avait un champ, un deuxième champ là. Ils croient que c'est la province, c'est la campagne. Donc, t'es bien d'accord avec moi que le 77, c'est pas la campagne. C'est pas la campagne, frère. Mais même ceux qui sont venus, frère, ils ont vu que c'est pas la campagne, frère. Faut arrêter ces conneries-là, on est dans l'île de France, tu vois. C'est vrai, c'est espace vert, tu vois, il y a la forêt, il y a tout. Mais frère, c'est pas la ville qui fait le bonhomme. Il y a plusieurs sons aussi sur internet, ouais, de ta part. Ouais, ouais, ouais. Comme le morceau On reste courageux. Ouais, On reste courageux, qui c'est un morceau qui est dans le quartier sous les pieds, dans la mixtape, on l'avait clippé avec le poteau Mams. Jusqu'à ce que je crève, je te jure de rester courageux, malgré les parcours et les enjeux. Sous mes épaules, toujours de sang-jeu. À ce sas d'un les parcours seront dangereux. Jusqu'à ce que je crève, je te jure de rester courageux, malgré les parcours et les enjeux. Sous mes épaules, toujours de sang-jeu. À ce sas d'un les parcours seront dangereux. Avec peu de moyens, tu vois, on s'est débrouillé, frère, et voilà. Là, il a bien marché, le son il est lourd, et voilà, il a été reconnu, tu vois, bien. Donc, ça, il est extrait de la mixtape en fait. Il est extrait de la mixtape, il y a celui-là, On reste courageux. Après, tu as aussi dans ma zone, je représente le 77, tu vois, ma zone, tu vois, et il y a aussi Rafale de Rime avec Poto Mams et OMS. Tu peux les retrouver sur YouTube. Je me vade du côté S2. Un petit western union pour tout mon Afrique de l'Ouest. J'te baisse si t'es le best. Tu t'es fait des ça c'était ton destin. On rappe avec le cœur et les tripes, même pas pour faire les mecs hardcore. Les MC vivent le quartier, ils disent, même pas le tiers. As de ça, c'est inoubliable. Comme un mort dans la conscience. Une balle en pleine tête, inévitable. Un coup qui finit mal. Ton pote a fait caca devant le code pénal. Imbécile, t'as tout dit dans le portable. Le code de la rue, tu le manies mal. Dire qu'on t'appelait l'animal. T'as pas su garder l'anonymat. Tu peux retrouver un featuring avec Demo One de la Mafia Kinfri pour la rue. Il est sur YouTube aussi. Et comment elle est née cette connexion avec Demo One? Bon, en fait, Demo One, t'as vu, c'est un mec que j'ai rencontré au studio. D'ailleurs, j'ai enregistré au studio à Ivry. Tu vois, je l'ai rencontré là-bas. Il était sur un feat avec je sais plus qui. On a discuté tranquille et voilà, ça s'est fait calmement. Et après, je lui ai proposé un son. On a fait le son calme. C'est des choses qui se font naturellement, en fait. Naturellement, t'as vu, on va pas. Et t'as vu, c'est un mec, franchement, j'aime bien par rapport à. T'as vu, c'est un mec de la street, frère, faut pas mentir. T'as vu, c'est un mec, il a du vécu. Et voilà, t'as vu, je me reconnais un peu dans ces trucs, tu vois, intouchables. On a ces bousillés à ça, frère, je me reconnais un peu dedans. Et voilà, je me suis dit, pourquoi pas faire un truc avec lui. Et on va pas aller chercher un thème difficile, c'est pour la rue, poto, tu vois. Et en parlant de la rue, il y a aussi Zesso. Ouais, il y a Zesso aussi, j'ai fait un featuring avec Zesso aussi. J'ai un big up à eux, hein, t'es moi, un big up, Zesso, big up, Mams, tout le monde big up. Et ouais, j'ai fait un son avec Zesso aussi, parce que voilà, Zesso aussi, pareil, c'est un mec de la rue, on se reconnaît, t'as vu, il n'y a pas de cinéma, non, parce que si, parce que ça. Ça s'est fait direct pour toi, t'as vu, on est là, c'est la famille, ça bouge pas. C'est Valdemar, le même cinéma, en cinéma. C'est Saint-Denis ou au Seine, à la Seine sur mer. Yvelines et Seul, noyé par l'oseille, jusque dans l'Oise. Une jeunesse plongée dans le noir, le quartier. Un numéro d'écrou sur ta porte qui vit le malaise sans le voir. Tu l'es fait bananer, depuis que la rue t'a pas aidé. T'as pris le rôle du mal aimé, ensuite l'état va te balayer. Tu mets ta marque dans la mer, garde la force pour pas guiller. Faut couper court à la gangrène, les malveillants vont mal veiller. C'est pas que tu t'es fait bananer, depuis que la rue t'a pas aidé. T'as pris le rôle du mal aimé, ensuite l'état va te balayer. Tu mets ta marque dans la mer, garde la force pour pas guiller. Faut couper court à la gangrène, les malveillants vont mal veiller. Et tu penses quoi ces artistes? Parce que ces artistes ils sont là depuis longtemps quand même. Ils sont là depuis longtemps, t'as vu, franchement, ce que je pense, ces artistes. Tu penses qu'ils sont reconnus à la juste valeur ou malheureusement ils sont négligés? Franchement, ils sont négligés.
Bon, Demon One, il est négligé, je dirais, parce que, voilà, t'as vu, il a... T'as vu avec la mafia qu'un free, ils allaient bien, tout ça, avec un touchable. Mais depuis que DR, il est parti avec le Watipé, tout ça, lui, il se retrouve un peu solo. Peut-être c'est pas facile, tu vois. Et Zesso, lui, c'est dommage parce qu'il est super lourd. Il a une plume de fou. Il rappe super bien, le mec. Mais il est pas reconnu, frère. Tiens, il est reconnu, mais il est pas reconnu, tu vois. Pas assez, on va dire. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Il devrait faire du bruit. À l'heure d'aujourd'hui, il devrait être à la même hauteur que, tu vois, ceux qui font des disques d'or, tout ça. Mais bon, je sais pas pourquoi il est négligé. Après, voilà, on va pas. C'est pas nos histoires, un peu, tu vois. Et toi, voilà, en parlant d'histoire, toi, au niveau de ton rap, etc., c'est plutôt de l'ego trip, du conscient. Comment tu peux le décrire, en fait? Il y a un peu tout, frère. Hein. T'as vu, moi, je fais un peu d'ego trip. Ouais, David, ça dépend de moi. Des fois, je vais venir, je vais prendre ma feuille, je vais écrire. Tu sais comment je suis inspiré? Aujourd'hui, je suis inspiré. Bah, vas-y, j'ai envie de parler conscient, dire des choses de la vie, tu vois, des choses réelles, tu vois. Et il y a des fois, j'ai envie de m'amuser, faire des goûteries, parce que t'es tout le petit con, tu vois. Je vois un clip d'un mec qui pue sa mère, il dit des trucs d'ouf, alors qu'en vrai, tu l'as vu, c'est un vrai PD. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de charlatans dans le rap. Ouais, il y en a trop, frère, ça fait mal à la tête. Voilà, tu te dis pourquoi eux rapent. Tu vois, moi, à la base, moi, je te jure, hein, je rappais, voilà, c'était en secret, poteau, tu vois. Mais quand je vois tous ces mecs-là, ils font des trucs de ouf. Ils rapent, ils disent des trucs d'ouf avec leur bouche, des trucs qu'ils ont jamais vus, qu'ils ont jamais fait. Je me dis pourquoi on va les laisser faire, pourquoi pas faire le taf nous-mêmes, cousin. Tu vois ce que je veux dire? T'as vu, après, voilà, je préfère faire ça. Je vais regarder un clip de lui, par exemple. Voilà, je vais prendre ma feuille, je vais l'insulter sa mère. Et voilà, quoi. Enfin, sans dire son nom, quoi. Voilà, sans dire son nom, tu vois, mais je vais l'insulter sa mère et tous ses potos, et tous les mecs du rap game, tu vois. Je vais les insulter, frère, parce qu'ils m'énervent. Et tu penses quoi, justement, de l'industrie du rap game? Tu penses que. Franchement, gros, aujourd'hui, t'as vu, c'est. Avant, c'était rapper pour rapper, mais aujourd'hui, c'est un business, tu vois. Et voilà, t'as vu, il y en a qui ont des moyens que d'autres, ils ont pas. Donc, on va mettre devant ceux qui ont plus les moyens, qui sont signés. Après, ces mecs-là aussi, ils ont les moyens, ils ont plus la valeur de la street, ils ont plus la street dans le corps, comme on dit chez nous, frère. Ils ont plus la street dans le corps. Eux aussi, ils se perdent, ils racontent n'importe quoi, frère. Moi, je suis resté bloqué, je vais pas te mentir, je suis à l'ancienne. Hein. T'as vu, j'écoute les sons à l'ancienne. C'est mieux, frère. Et c'est quoi le dernier album que t'as acheté, par exemple? Le dernier album que j'ai acheté, franchement, c'est Zesso, Dirty Soul. C'est le dernier que j'ai acheté. Je suis parti, je l'ai écouté, je l'ai saigné en tout. C'est tout, frère. Sinon, donc ça reste familial, quoi. Ouais, c'est même pas que ça reste familial. T'as vu, il y a le poteau Joe Black aussi, je me bousille avec ses sons. C'est vrai que t'es très proche de Joe Black. Ouais, Joe Black, c'est la famille, c'est un mec de chez. C'est presque un mec de chez moi, tu vois, on a grandi ensemble. Et voilà, je me bousille à ses sons. Et voilà, il a aussi son EP qui arrive bientôt, tout, tu vois. Voilà, je préfère écouter. Au moins, je sais qu'il ment pas, tu vois ce que je veux dire. Mais je sais à peu près c'est quoi comme personne, et j'écoute son son. Et voilà, je me reconnais dedans, c'est mieux, tu vois. Je peux écouter un mec qui raconte de la merde, poteau. Et comment tu t'entoures? T'as des beatmakers attitrés ou bien comment, ouais, tu travailles un peu tout ça? J'ai des beatmakers à moi, tu vois. J'ai Doomson, QG Soul, Big Up à lui déjà. Parce qu'on parle pas souvent des beatmakers alors que ouais, c'est 50% du travail quand même. Hein. C'est 50% du travail. J'ai Doomson de QG Soul, il fait des prods, il est lourd. J'ai aussi DJ Lemon, un mec du 9-2. C'est un petit du 9-2, il est lourd, il travaille ça lourd. Et après, voilà, je prends des buts qu'on me propose un peu partout, tu vois. On propose et je ramasse et je kick dessus, poteau. T'es pas fermé, quoi? Non, je suis pas fermé. T'as vu une prod qui vient, si elle rentre bien dans mes oreilles, elle tombe bien, j'ai un truc qui va avec, je vais écrire dessus direct, frère. Et tu dis aussi que t'es sur la préparation du mixtape ou d'un EP, en fait? En fait, gros, c'est un EP, tu vois. C'est un EP, mais. Mais c'est quoi la différence entre tous ces mots EP, mixtape, street album? Parce que t'as vu, frère, aujourd'hui. T'as vu, avant EP, je le signifiais avant, c'était quoi? C'était plus un maxi, on disait un maxi. Donc à 5 titres. Voilà, 5 titres, 6 titres, tu vois, c'est des trucs comme ça. Mais au jour d'aujourd'hui, on dit EP parce que ça va sur internet, tout. C'est pas des trucs, des CD qui sortent physiquement, tu vois. C'est que sur internet, téléchargement, comme internet, il a pris le dessus aujourd'hui. Donc voilà, que maintenant, c'est l'heure du digital avec iTunes. Voilà, tu vois, on va balancer ça sur iTunes. Voilà, c'est digital, frère. T'as vu, EP, parce que voilà, à la base, moi, ça, c'est maxi. À la base, à l'ancienne, c'était maxi, mais aujourd'hui, t'entends plus maxi. T'entends plus parce que voilà, internet, il est venu la fusil et tout, frère. C'est EP. Je vais sortir un petit EP dans le calme d'ici janvier 2014 ou quoi. Et t'as déjà un titre pour ce EP ou pas encore? Ouais, j'ai un titre, c'est Comas. Comas, je t'explique Comas, pourquoi? Parce que moi, mon groupe, c'est As des As. Et voilà, t'as vu, là, je suis revenu en solo pour sortir ce projet. Mais en fait, dans le projet, je serai comme. Avec As de As, c'est la même personne, c'est comme As, on vit comme As, c'est comme As, frère. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc toujours rester la même personne, quoi. Toujours rester la même personne, toujours authentique, frère. T'as vu, c'est important ça, frère. T'as vu, on est là,
on n'a pas des millions, on n'a pas tout ça, il nous reste que la fierté, frère. Et personne ne va me la voler, cette fierté, frère. T'as vu, elle tient à cœur, frère. C'est comme ça. Est-ce que tu peux rappeler tes pages YouTube, ta page Facebook pour les gens qui veulent découvrir aussi la ce que tu fais? La page Facebook, Adams Officiel. Et sur YouTube, tu dis Adams77, Adams As des As, tu vas me retrouver, frère. Je vais te laisser le mot de la fin. Bon, le mot de la fin, frère, t'as vu, soutien. Ici, il y a le vrai rap qui arrive, frère. T'as vu, il n'y a pas de mytho. On est sincère. Et voilà, on est ensemble, ça bouge pas. Tu négliges, fuck you, frère.